J'ai vu Abyssima. Oh! Elle m'a détenu. Elle a l'absence. C'est que... On y va. Allez,
vous n'apprendrez donc jamais. Vous voulez discuter? Parlez même. Trouvez quelqu'un d'autre. La faim me donne le vertige. Il a monté un hôpital, un genre de l'hôpital. On y soigne les gens. Je devrais dire au garde baron qui cache ça. Oui, c'est la forêt, je serai. Il est trop petit reste. On en reparlera. Pénis.
C'est égal. J'ai pas faim. Je voudrais pas. Rentre. Je peux le passer. Vous cherchez les ennuis ? Inutile. Je cherche un chasseur. Un certain Nilen. C'est moi. Que voulez-vous ? Je suis un sorceleur. J'ai vu votre annonce. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois ?
Il y a 5 jours, juste avant l'aube. Elle dormait encore quand je suis parti à la chasse. Quand je suis rentré, elle avait disparu. Vous n'aviez rien remarqué d'inhabituel ? Non, tout était normal. Elle avait l'air heureuse. Elle n'est pas partie avec un autre homme, si c'est ce que vous pensez. Elle est peut-être allée au village voisin sans vous prévenir. Non, ma sœur n'est jamais partie aussi longtemps. Vous l'avez cherchée ? J'ai fait le tour du village. Personne ne l'a vue. Elle a dû partir pendant que tout le monde dormait. Je lui ai pourtant répété 100 fois de ne pas sortir seule. Mais elle n'en faisait qu'à sa tête. Avec les gars du village, on a organisé une battue dans les bois. On n'a rien trouvé. Je vais aller faire un tour dans les bois. Vous avez peut-être manqué quelque chose. Je vais aussi interroger les villageois. Elle a des amis ? Anna était... est... plutôt solitaire. Elle surveille les enfants du forgeron de temps à autre. Et elle s'entend bien avec Lena, la femme du boucher. Merci. Je vais essayer de la retrouver, mais je ne vous promets rien. Ils vous trouveront tout seul. Bonjour, vous êtes Glenna ? Ouais. Mais si vous voulez me parler, va falloir attendre que j'ai terminé de découper ma barbaque. Vous êtes la femme du boucher ? Le boucher ? Tu parles. Quand on vivait à Novigrad, là, d'accord, c'était un vrai boucher. Mais maintenant, c'est juste un charognard qui découpe les carcasses des animaux crevés. Bon, bah, vous m'achetez quelque chose ? Je voudrais vous parler d'Anna. Vous étiez amis, non ? Elle passait faire la causette de temps en temps, hein, oui. Est-ce qu'elle vous a paru étrange récemment ? Vous savez où elle a pu aller ? Étrange ? Non. Elle était toujours de bonne humeur. Elle a été attaquée par des loups. Voilà ce que je pense. Ces sales bêtes sont partout. Même les hommes du baron évitent la région. Anna est sans doute partie dans les bois cueillir des champignons. Et les loups lui seront tombés dessus. Merci. Au revoir. Nos hommes étaient en colère. Ils voulaient les chasser. Malheureusement, les ordures... C'est pour acheter ou farfouiller ? Montrez-moi ce que vous avez en magasin.
Je ne dirai pas non à une petite partie de cartes.